Une émotion extraordinaire à l'arrivée de ce Grand Prix de Pau des Embrassades. Bonjour Monsieur Bayrou, en personne qui est venu rejoindre Daniel Amélé qui est là. François Bayrou d'abord, ce Grand Prix de Pau, franchement, c'était une course extraordinaire. C'est toujours pour vous une émotion, j'imagine. Chaque fois, je pense que je viens tous les ans depuis, je ne sais pas. Longtemps. Longtemps. Oui. Mais cette année, c'est particulier parce que le vainqueur avec cette jeune femme entraîneur qui court le Grand Prix de Pau pour la première fois, c'est émouvant, impressionnant et heureux. Effectivement. Et vous voyez ce monde, cette foule immense qui revient aux courses, ça vous fait quoi ? Mais nous sommes une région et une ville qui aime le cheval, qui vit l'aventure du cheval depuis 150 ans. Depuis 1846, je ne sais pas si vous voyez, je dis 150, 170 ans. Mais ça fait une paye, oui. Et donc, c'est formidable, c'est toute l'histoire du pays, parce que c'est toute l'histoire anglaise à Pau. Oui. Et puis pour des gens comme moi, qui sont fils d'éleveurs, éleveurs, petits propriétaires, passionnés de chevaux, ayant vécu de grandes histoires avec les chevaux, le Grand Prix, c'est pour nous tous le moment, le sommet de l'année. Et finalement, c'est un Anglais qui gagne. Ouais. Autour de l'histoire, hein, vous qui êtes férus d'histoire, je crois, c'est sympa. Exactement. Merci.